Bonjour, interview VIP sur RFM, soyez les bienvenus avec le groupe Codeline aujourd'hui. Alors Codeline, c'est quatre garçons qui font de la musique, Marc, Steve, Jason, Winnie qui n'est pas là aujourd'hui, qui a eu un petit accident, une côte cassée, mais rien de grave apparemment. Bonjour messieurs, comment allez-vous? How are you guys? Yeah, bien proche du micro s'il vous plaît. Oh, very good. Difficile. Très bien. On va faire un petit peu comme, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette interview des Doors. Vous allez vous présenter prénom, âge et fonction dans le groupe. I'm Jason Boland. I've never said that in an interview. That's my full name. And I play bass. You sure? La basse? Yeah, check for a second. Il est sûr. Age? Age? Oh yeah, age. 20 something. 20 ans et des poussières. I'm Steve. Stephen Carrigan. Strange. Ça leur fait bizarre de donner leur nom, apparemment, complet. And I'm a singer. And I'm 25. Donc c'est le chanteur, Steve, et il a 25 ans. I'm Mark Prendergast. I play guitar. And I'm also 25. Mark a aussi 25 ans et il joue à la guitare. Donc, quatre garçons qui font de la musique, c'est comme ça que vous définissez. Mais moi, je veux en savoir un peu plus. Il faut développer un petit peu, là, les garçons. See, we thought we'd get away with that. We've been using that for quite a long time. Quatre gars qui font de la musique. Ça fait longtemps qu'ils disent que ça, en fait. Yes, but we're four friends that play music. Alors, quatre amis qui font de la musique, voilà. But, yeah, like, Mark and Steve grew up down the road from each other and have known each other since they were children, since they were enfants. And they've just... We've been playing music forever. It's what we love doing, and we're really lucky that we're able to do it as a job at the moment. Alors, Marc et Steve ont grandi dans la même rue, donc ils se connaissent depuis qu'ils sont tout petits. Et d'ailleurs, les quatre se connaissent depuis une éternité. Ils sont toujours très mal entendus et adorent faire de la musique. Et ils sont surtout ravis de pouvoir en vivre et que ce soit leur carrière. I think we're not really good at anything else. So. Oui, d'ailleurs, ils savent pas faire autre chose. Hein. Music was the one thing we were kind of okay at. La musique, ça va, ils se débrouillaient pas trop mal. Alors, justement, comment l'aventure a commencé? Qui veut répondre? These are really good questions. Ce sont très bonnes questions. How did the adventure start? I think like we just played, we kept writing songs and playing music, and a lot of people came to see us, and then people said we were terrible. They went away, and then people came back, and some people liked us, some people didn't like us, and then somebody liked us, and we got to record an album and stuff, which is absolutely amazing. Alors écoute, ils écrivaient beaucoup, beaucoup, ils faisaient que jouer de la musique, beaucoup de gens venaient les voir, beaucoup de gens les détestaient, repartaient, revenaient, et puis un jour, il y a quelqu'un qui est venu, qui a aimé, et puis ils ont eu la chance d'enregistrer un album. She's really good. C'est vrai, c'est pour ça qu'on la prend d'ailleurs. Votre musique donc plaît beaucoup, depuis l'année 2013, c'est l'année de la découverte, et 2014, c'est la consécration cette année, avec cet album In Perfect World. Avez-vous vraiment l'impression de vivre dans un monde parfait? Not right now, no. Non, pas à l'heure actuelle en tout cas. The drummer. Yeah, we're parce qu'il leur manque un batteur quand même. We're only three quarters of a band right now, but in general, yeah, like we got a summer ahead of just festivals and traveling, and we're going to be in between that. We're going to be recording our second album, so we're able to make a second album, which is huge, and we're playing festivals all over the world all summer. So we're having a lot of fun, but we're missing our drummer. Alors, le batteur leur manque, mais à côté de ça, ils vont passer l'été à jouer dans plein de festivals différents. Entre-temps, enregistrer un deuxième album. Donc déjà, le fait d'enregistrer un deuxième album, c'est une chance énorme. Donc voilà, la vie est plutôt belle pour eux. Ok. Qui écrit les chansons? Comment ça se passe? Chacun apporte des idées et puis après, vous faites le tri. Enfin, comment vous travaillez? Le secret de fabrication du groupe Codeline? I think, now as a band, yeah, we kind of all... We all bring our own ideas and then we kind of work through them. I write a lot of the songs. Mark's starting to write a lot more now. Steve écrit beaucoup, Mark commence à écrire pas mal, mais c'est vrai que oui, ils apportent un peu chacun leurs idées puis après ils les épluchent. I think we write about things that happen to us and it's very personal for us, but yeah, but as a band now we're going into our second album and we're all writing, so it's really cool. Ils écrivent beaucoup à propos de choses qui leur sont arrivées, donc des choses personnelles. Et puis là, en tant que groupe, donc, ils s'apprêtent à faire le deuxième album, ce qui est assez cool. D'accord. Donc vos chansons sont personnelles, comme tu l'as dit. Un petit peu mélancolique, donc ça vous ressemble un peu à la mélancolie, peut-être? We're very sad people. Ce sont des gens très mélancoliques. No, I think, like, we tend to write, it just worked out that way. Ça s'est fait comme ça, en fait. We tend to write
song, whatever way we're feeling. Like, there's happy songs on our album as well. And yeah, you can't be happy all the time. You can't be sad. Il y a des chansons plus joyeuses. Après, oui, il nous dit qu'on ne peut pas être heureux tout le temps ou triste tout le temps. C'est un peu au final. So, it depends on how you're feeling. Voilà, ça dépend un peu de l'humeur du jour. Tout le monde est d'accord. Everybody agrees. Throughout the album, there's like positivity is kind of the main theme. So even though it's sad songs, there's still kind of a good outlook, a hopeful outlook. Oui, après, même si l'album reste mélancolique, ce sont des idées positives, en fait, qui ressortent de l'album. Donc c'est un peu le thème général de l'album. D'accord. Qu'est-ce que vous préférez dans votre métier, à part la promotion du disque? Traveling. Voyager. We're in Paris today, that's cool. Voilà, ils sont à Paris aujourd'hui, ce qui est plutôt cool. C'est cool. my favorite thing is probably the traveling and then like writing songs. Really, Mark? Yeah. Is that really your favorite thing? Alors, Mark dit que ce qu'il préfère, lui, c'est écrire des chansons, voyager. Et Steve lui dit vraiment, c'est ce que tu préfères. You get to see the world and play music. Ouais, voir le monde et faire de la musique. Et faire la promo de l'album, bien sûr. Codeline, vous vous sentez plus proche d'un groupe comme Coldplay, on vous le dit tout le temps, hein, ou vous vous sentez proche de, je sais pas moi, Daft Punk, c'est un grand écart, mais où est-ce que vous vous situez un petit peu entre tout ça? I think we'd be closer to Coldplay. Alors plutôt Coldplay, oui. We're not robots. Ce ne sont pas des robots, déjà. I don't know, we're massive fans of both bands, but we'd be more... Après, ce sont des fans énormes des deux groupes, mais oui, un peu plus Coldplay quand même. But Avicii just doesn't want to work with us yet. Ah oui, par contre, Avicii ne veut pas encore travailler avec eux. Okay. Peut-être un jour. Maybe one day. Bientôt. Merci en tout cas beaucoup, messieurs. On l'a bien compris, plein de festivals cet été, un nouvel album en préparation. Et puis, vous allez prendre place pour nous jouer quelques titres en acoustique dans le studio live d'RFM. Merci beaucoup. Thank you. Merci beaucoup.